C'est revenu. On était coupé, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai essayé de mettre cela en place. Donc on continue, voilà. Vous êtes sur la plateforme Facebook. Et Facebook, alors Facebook, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de publicité digitale, on a vu déjà le bref créé. Considérons qu'on a tous les outils qu'il faut, on a les objectifs, on a les contenus qu'il faut pour nous voir, on a. Voilà le budget à atteindre, tout ça et autres. On a déjà tout. Donc, on veut faire maintenant la publicité. On veut passer directement à la pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir sur Facebook, Facebook propose deux types hein, de publicité. Soit vous faites la publicité rapide, ou vous faites la publicité professionnelle à travers le gestionnaire de publicité. Donc, la première partie que je vais vous montrer, c'est tout simplement hein, la publicité rapide. La publicité rapide s'utilise lorsque non seulement on n'a pas le temps, mais aussi lorsque la publicité est juste une publicité peut-être de notoriété, n'a pas vraiment d'enjeu. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on fait la publicité rapide. Mais si vous voulez vraiment avoir comment on appelle ça, atteindre vos objectifs par exemple de conversion ou encore générer du trafic sur votre site web et consorts, là il faut utiliser la publicité à travers le gestionnaire de publicité. Donc pour faire une publicité rapide, rapide, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On va sur, je vais prendre l'exemple d'un client, le Salon International de la Décoration. On passe sur la plateforme. Et lorsque vous êtes admin d'une page, bien évidemment, vous allez avoir l'interface qui apparaît comme ça. Lorsque vous êtes admin d'une page. Voilà. La page apparaît comme ça, tac, 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 tac. Et on veut faire la promotion. On veut faire la promotion. On veut faire la promotion, voilà, d'une publication. Ou encore la promotion, enfin, la promotion, comme j'ai dit, rapide. D'accord? Donc, la promotion rapide, vous allez venir dans la partie publicité ou encore espace pub ici. Vous cliquez sur espace pub. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez cliquer aussi sur publicité ici. Bon, là, c'est quelques publicités qu'on est en train de faire. On va cliquer plutôt sur publicité. On revient, on va cliquer sur créer une publicité. Elles sont les publicités sans enjeu, voilà, comme j'ai dit. Sans enjeu, vraiment. On clique sur publicité. Créer des publicités. Donc, comme j'ai dit, vous devez être d'abord admin de la page. Hein, de la page sur laquelle vous voulez faire la publicité d'un contenu. Donc là, par exemple, j'ai préparé des contenus qui sont ici. Avant, j'ai préparé des contenus. Avant, j'ai préparé des contenus qui sont ici. Qu'on peut bien exploiter. D'accord? Ce sont des contenus, on va dire, des contenus visuels. Il y a aussi des contenus vidéo ici, hein, vidéo de campagne qu'on va voir. Voilà, tout ça, ce sont des vidéos qu'on peut utiliser aussi. On va aller sur, voilà, ça sont les bannières publicitaires qu'on peut utiliser. Vous voyez qu'il y a des bannières avec ce genre de format. Il y a des bannières avec, par exemple, un format plus long. Voilà, comme ça. Bannière aussi de manière verticale comme ça, voilà, et qu'on sort. Un instant. Ok, maintenant il dit combien? C'est compris. Non, alors je pense que c'est peut-être 1 mètre quelque chose là. Ok. Maintenant il dit c'est samedi qui peut donner. Samedi quand? À quelle heure? Il dit c'est samedi qui peut donner, c'est ça?
Bon, attends, je vais appeler le client, parce que le client, vraiment, il parle de demain, tout ça. Attends, je vais l'appeler. Je vais lui dire ça. Je vais l'appeler. Je vais lui dire, si ça l'arrange, on fait ça, n'arrange pas, mon cher. Non, mais c'est fatigué, on va arrêter. Donc, je l'appelle, puis je te reviens là-dessus. Merci. Alors voilà, ça ce sont les différentes campagnes hein, qu'on peut prendre comme ça. C'est les différentes bannières et autres. Voilà. Donc, ça c'est la publicité rapide, comme j'ai dit. Vous voyez, dans un premier temps, il y a Facebook qui vous propose des objectifs à atteindre. Donc, on clique sur modifier. En fonction de l'objectif que vous avez défini dans le brief de campagne publicitaire, vous allez renseigner cet objectif-là ici. Si l'objectif c'était un objectif de conversion, par exemple, vous allez sélectionner, par exemple, obtenir plus de prospects ou bien recevoir plus d'appels, ou encore conversion, obtenir plus de visites peut-être sur son site web, hein, ou encore encourager voilà, les visites en ligne, ou encore recevoir plus de messages. Ça, ce sont les objectifs de conversion. Je pense que tout ce qui est ici, ce sont les objectifs de conversion. À part, oui, obtenir plus de mentions, j'aime, ça c'est plus pour la notoriété. Comme j'ai dit, je ne conseille pas du tout ça. Voilà, comme campagne publicitaire aux gens. Pas du tout. Ça, je ne le conseille pas. Mais, plaise à vous, hein, voilà, de pouvoir le faire sans problème. Donc, comme vous voyez, il y a les objectifs de vente, il y a les objectifs de trafic. Les objectifs de vente, on peut, par exemple, sélectionner cet objectif de vente qui est obtenir plus de prospects. Donc, utiliser un formulaire pour recueillir les données des potentiels clients. Lorsque notre objectif correspond bien évidemment à ce type d'objectif, on le sélectionne tout simplement ici. Si ça recevra plus d'appels, c'est-à-dire montrer votre publicité aux personnes susceptibles d'appeler votre entreprise, on clique là. Un autre objectif de trafic, encourager les visites en ligne. Donc, montrer votre publicité aux personnes susceptibles de cliquer sur une URL qu'elle contient, tout simplement. Donc, l'URL, c'est-à-dire le lien, ça peut être par exemple votre site web, ça peut être aussi un formulaire Google en ligne que vous avez mis en place, ça peut être aussi une page de destination où des gens ils doivent effectuer peut-être un achat et tout, tel que voilà, les systèmes IO et consorts. Donc, si c'est le cas, vous sélectionnez ce type d'objectif. Obtenir plus de visites. Donc, afficher votre publicité aux personnes susceptibles de consulter votre page. Ça rejoint pareillement, voilà, encourager les visites en ligne. Ça peut pas pareil comme type d'objectif. Recevoir plus de messages, c'est tout simplement diffuser votre publicité auprès des personnes hein, les plus susceptibles de vous envoyer un message. Et pour terminer, hein, obtenir plus de mentions, j'aime, ça c'est pour avoir des followers. Donc, une fois que vous avez sélectionné le type d'objectif, automatique ici, c'est laisser Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent hein, d'après vos paramètres. Hein, par rapport aux paramètres que vous allez mentionner, Facebook va sélectionner l'objectif le plus pertinent pour vous. Ça, c'est le robot même qui sélectionne l'objectif correspondant à votre campagne publicitaire et lui-même, il va faire ce qu'il faut voilà, pour vous générer de potentiels clients ou de potentiels visiteurs selon l'objectif que voilà, vous êtes fixé avec le contenu, hein, le ciblage que vous avez mis en place, le budget publicitaire, eux-mêmes vont sélectionner avec ça. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous sélectionnez automatique, vous avez maintenant ici le contenu publicitaire. Alors, dans le contenu publicitaire, il y a deux options. Soit vous utilisez une publication que vous avez déjà effectuée sur votre page, comme ça, en cliquant ici. Vous utilisez une publication que vous avez déjà publiée sur votre page. Donc, vous cliquez utiliser cette publication, ou bien utiliser cette publication, ou bien utiliser cette publication, et encore, voilà, les autres publications sur la page. Soit vous le faites, ou bien vous créez vous-même votre propre contenu. Donc, par exemple, contenu multimédia, ici vous pouvez par exemple opter pour par exemple des contenus carrousel si vous voulez. Donc vous sélectionnez le média ici, le média qui doit apparaître. Par exemple, là c'est choisir une image, importer une nouvelle image ou vidéo publicitaire, voyez l'image. Non. Donc vous sélectionnez l'image par exemple ici. Si l'image est sur la page sur laquelle vous voulez faire la publicité, vous cliquez là. Vous allez voir les images qui sont sur la page, vous allez sélectionner les images. Donc là, on peut prendre par exemple, hein, ce sont les exemples. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça, je supprime. Je vais prendre quoi comme image maintenant? Attendez. Il y a des plus belles images que je vais prendre. Ça.
ça fait 4. Je vais chercher une autre image. Ça, parfait. Je vais sélectionner. Voilà. Et ça, c'est par exemple une publicité par carrousel. Hein. Voilà. Une publicité en carrousel qui défile. Que nous voyons là. Donc, après, on met le bouton hein, correspondant à notre call to action. Voilà, ce sont les boutons qui vont apparaître sur la publication. Si c'est le bouton s'inscrit que vous le mentionnez ici, simplement. Si c'est d'autres boutons, hein, par exemple postuler, en savoir plus, obtenir un devis, s'abonner, appeler, réserver, nous contacter, télécharger, demander l'horaire, voir le menu, acheter autre vidéo, faire un don, envoyer un message WhatsApp, j'aime la page, consulter la page. Tout ça, ce sont les types de call to action que vous pouvez ajouter à votre publication qui est là. D'accord? À votre publication qui est là. Donc, tout dépend de vous. En fonction de ce que vous voulez comme retour, en fonction de ce que vous voulez comme contenu, vous renseignez cela. Donc, si tu as cliqué par exemple sur s'inscrit, alors automatiquement ici, tu dois mettre soit un formulaire Facebook ou bien le lien de ton Google Form par exemple. Le lien de ton Google Form par exemple. Tu le mentionnes ici. Tout simplement. Donc là, tu vas renseigner le lien de ton Google Form et tu vas rediriger tous ceux qui vont cliquer sur s'inscrit directement sur ce lien Google Form. Maintenant, si c'est un formulaire de contact Facebook, là, tu vas créer un formulaire de contact Facebook et tu cliques sur créer un formulaire. Et là, tu vas renseigner maintenant ce dont tu as besoin dans le formulaire. Si tu as besoin du nom complet, de l'adresse email, du téléphone de la personne, de l'adresse postale de la personne, si tu as besoin de ça, tu mets du genre de la personne, l'intitulé du poste de la personne, le nom de son entreprise. Tout ça, tu renseignes ça ici. Voilà. Et tu définis la langue du formulaire, tout ça et autres. Et une fois que c'est fait, tu mets sur suivant, tu enregistres et c'est fini. Tout simplement. Donc après, contenu publicitaire advantage, ici c'est d'utiliser les données de Facebook pour diffuser automatiquement plusieurs variants de contenu publicitaire auprès de votre cible. Je vous conseille en tout cas de cocher, oui, contenu publicitaire advantage. C'est très intéressant parce que Facebook va sélectionner ce qu'il faut pour vous afin que votre publicité soit plus performante. Maintenant, là, c'est l'audience. Dans l'audience, vous allez maintenant renseigner non seulement... enfin, c'est ici que vous renseignez le ciblage au niveau du critère démographique, du critère géographique et autres, et aussi au niveau du comportement. Donc, vous cliquez sur, par exemple, lorsque vous arrivez ici, vous pouvez cliquer sur Audience Advantage. Là, Audience Advantage, c'est Facebook qui sélectionne... C'est Facebook qui sélectionne, on va dire, votre cible pour vous, selon le contenu que vous avez mis de manière intelligente, on va dire artificielle. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Il serait intéressant de pouvoir vous-même définir votre cible selon ce que vous avez renseigné comme cible, ce que vous avez renseigné ou bien vous avez défini comme persona dans votre brief de création publicitaire. Donc, vous venez dans la partie « Modifier » ici. Voilà, vous venez dans la partie modifiée. Et une fois que c'est fait, vous allez définir votre cible, si ce sont les hommes, si ce sont les femmes, ou si c'est tout le monde que vous ciblez. Vous les renseignez. Après, vous renseignez l'âge des personnes que vous voulez cibler sur Facebook. Si ce sont des personnes de 20 à plus, vous modifiez ici simplement 20 à peut-être 50 ans. Je vais sélectionner les femmes seulement. OK. Et vous avez automatiquement la taille de l'audience qui se détermine ici. Hein. Vous avez la taille de l'audience qui se détermine ici au fur et à mesure que vous renseignez les différents critères. Ok, je souhaite cibler par exemple les gens qui sont à Abidjan. Donc je clique sur Abidjan. Je sélectionne Abidjan. Ici tout simplement. Voilà. Et le ciblage avancé. Donc le ciblage avancé. Ici vous allez sélectionner maintenant les centres d'intérêt de cette personne. Et ce sont les personnes qui sont par exemple qui ont un niveau. C'est des personnes, par exemple, qui ont le bac minimum que tu veux cibler. Tu vas sélectionner au niveau de niveau éducation et cocher ici bac. Si ce sont des personnes, par exemple, qui ont au moins eu affaire, qui ont le niveau lycée, tu sélectionnes. Si ce sont des personnes qui sont diplômées, bien, enfin, des cadres et tout, tu sélectionnes diplôme universitaire. Si ce sont des personnes qui ont au moins le doctorat que tu veux cibler, tu sélectionnes. Enfin, vous avez compris cette partie.
Après, au niveau des revenus et tout, si ce sont des personnes qui ont des revenus de foyer, les 10% les plus élevés, par exemple, aux États-Unis, ou bien les 20% élevés, les 50%, vous voyez qu'au niveau des revenus, c'est plus typique aux États-Unis parce que eux, là-bas, ils ont la facilité de déclarer leurs différents revenus en ligne. Contrairement ici, donc, pratiquement, pour toutes les publicités que nous faisons, ça ne sert à rien, voilà, de mentionner cette partie, quoi. Événements marquants. Donc là, ce sont les critères, par exemple, vous voulez cibler des femmes dont l'anniversaire aura lieu dans 7 jours, des femmes dont l'anniversaire aura lieu dans 30 jours, des femmes, des personnes ayant récemment déménagé, par exemple, si vous voulez, c'est-à-dire des personnes qui ont changé de lieu d'habitation sur Facebook, par exemple, ce sont ces personnes-là que vous voulez cibler. Est-ce que vous voulez cibler les amis de personnes dont l'anniversaire est dans une semaine, les amis d'hommes dont l'anniversaire aura lieu dans 7 jours, les amis d'hommes dont l'anniversaire aura lieu dans 7 jours à 30 jours. Vous voyez que c'est bien spécifique. Si par exemple, ce sont des personnes qui vendent des gadgets publicitaires de cadeaux d'anniversaire, logiquement, ils vont cibler les amis des personnes qui ont leurs anniversaires dans 30 jours afin de pouvoir les toucher, et ceux-là vont se rappeler, ah, j'ai l'anniversaire de mon ami qui vient dans 20 jours. Donc, il serait intéressant peut-être de lui offrir ce type de cadeau que, par exemple, j'ai vu sur Facebook. Tu vois? Donc, à travers ta publicité, tu as touché efficacement, voilà, celui-là qui a son ami qui fait son anniversaire dans 30 jours. Donc, il y a tous les critères vraiment nécessaires pour pouvoir toucher les personnes convenablement sur les réseaux sociaux. Voilà. Au niveau des anniversaires, c'est un peu ça. Si vous voulez cibler des jeunes mariés de moins de 6 mois, il y a tout ce qu'il faut, hein. Vous pouvez cibler des personnes qui ont un nouvel emploi. Vous pouvez cibler les parents qui ont les enfants de 13 à 17 ans, des parents qui ont des adolescents, des parents qui ont les enfants adultes de 18 à 26 ans, à 26 ans, des parents qui ont des enfants de 6 à 28 ans, ou bien tous les parents. Vous pouvez cibler tous les parents. Mais par exemple, si vous êtes une entreprise qui vend des couches pour bébé, vous allez cibler les parents, hein, spécifiquement, notamment les parents qui ont des enfants de moins d'un an. Par exemple, si vous vendez des couches, vous allez cibler les parents de moins d'un an pour vendre des couches. Et ce sont des parents qui ont des enfants de moins d'un an qui vont voir votre publicité tout simplement sur les réseaux sociaux. Et c'est le même principe, hein, pour toutes les plateformes de publicité. Relations amoureuses. Je vous montre ça ici parce que dans le gestionnaire des publicités, c'est encore plus détaillé, il y a encore plus d'options là-bas. Mais déjà, comprenez comment ça se passe ici, et puis afin que voilà, vous puissiez mieux comprendre la publicité digitale sur Facebook. Donc ici, au niveau des relations amoureuses, si vous voulez cibler les célibataires uniquement, vous cochez célibataires uniquement. Si vous voulez cibler des personnes mariées, enfin qui ont mentionné qu'elles sont mariées sur Facebook, vous mentionnez ici. Des personnes fiancées, vous mentionnez. Des personnes qui sont en couple, vous mentionnez. Des personnes qui sont séparées, vous mentionnez. Divorcées, veuves, dans une relation libre. Bref, vous avez compris le concept. Au niveau professionnel, si vous voulez cibler des personnes qui sont dans un secteur d'activité bien spécifique, vous pouvez cibler. Si vous voulez cibler des gens qui sont dans l'agriculture, la pêche, l'industrie forestière, vous cochez. Si vous voulez cibler des personnes qui font des affaires et qui sont dans le domaine de la finance, vous cochez. Si vous voulez cibler des personnes qui sont dans le domaine de l'art, du divertissement, du sport et des médias, vous cochez. Ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, il y a plusieurs types de secteurs d'activité, des personnes qui, eux, voilà, dans des domaines bien spécifiques. Donc, en fonction de votre domaine d'activité que vous ciblez, en fonction du domaine d'activité de votre persona, vous choisissez ce qui correspond et puis voilà, vous faites votre publicité simplement. Voilà, employer une entreprise business taux moyenne de 200 à 500, c'est tellement spécifique. Vous avez tout. Entreprise fondée avant 2000, entreprise fondée avant 2000 à 2009, entreprise fondée en 2010. Et aujourd'hui, les fonctionnaires, les gestionnaires, ceux qui sont dans la production, la restauration, vous pouvez cibler vraiment tout le monde. Les tailles d'entreprise, les entreprises qui ont entre 1 et 10 employés, vous pouvez les cibler. Ça, c'est pour ceux qui proposent des services peut-être et consorts. Là, par exemple, vous pouvez cibler aussi les vétérans, c'est-à-dire les anciens militaires, si vous êtes par exemple aux États-Unis. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, au niveau des intérêts, ceux qui ont comme centre d'intérêt le business et les industries, notamment la publicité, l'agriculture, l'architecture, tout ça, c'est ça, ce sont les intérêts. Vous voyez que ces intérêts-là, c'est données démographiques, c'est-à-dire au niveau de sa personne. Là, ce sont des critères au niveau du centre d'intérêt.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce qu'il est intéressé par le sport, par les activités de shopping, de fashion? Peu importe, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous permettre de pouvoir cibler convenablement votre cible ici. Après, là, c'est au niveau du comportement du consommateur. Est-ce que ça va être, par exemple, des personnes qui voyagent beaucoup, des personnes qui sont arrivées de voyage il y a une semaine? Tout ce qu'il faut. Est-ce que ce sont des expatriés, c'est-à-dire des personnes qui viennent du Brésil, des personnes qui viennent du Japon, des personnes qui viennent de la France, des personnes qui viennent du Portugal, des personnes qui viennent du Rwanda, peu importe votre cible, vous pouvez l'atteindre directement via ces canaux. Bien évidemment que cette cible est mentionnée, qu'elle a ces différents critères sur Facebook, notamment au niveau du comportement aussi d'achat, peut-être ce sont des acheteurs actifs sur Facebook que vous voulez cibler, vous le mentionnez. Voilà, si ce sont des personnes qui vont fêter les anniversaires dans 61 ou 90 jours, vous le mentionnez. Les activités numériques également au niveau des acheteurs Facebook. Est-ce que ce sont des personnes qui utilisent Apple? Vous pouvez cibler seulement des gens qui utilisent Apple. Vous pouvez cibler uniquement des gens qui utilisent Android. C'est possible chez Facebook, sans problème. Voilà, des personnes par exemple qui utilisent Facebook Lite uniquement. Si cela fait partie de votre cible, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, access Facebook sur téléphone, cibler des personnes qui utilisent iPhone 14 récemment, tout ça et autres. Parce que ceux qui ont un iPhone 14 sont généralement des personnes qui sont un peu fortunées. Donc, si vous, par exemple, vous faites la promotion d'un produit de luxe, vous pouvez sélectionner ceux qui utilisent iPhone 14. Un exemple. Un exemple. Après, bon, il y a des personnes qui ont eu des cadeaux, hein, iPhone 14. Donc, tout dépend de votre personnage. Tout dépend de votre personnage. Voilà, ceux qui sont amis de fans de football, par exemple, si votre contenu intéresse ce genre de personnes. Utilisation d'appareils mobiles, voilà, mobile classique, smartphone, ceux qui utilisent les tablettes, vous pouvez cibler uniquement ceux qui utilisent les tablettes, ceux qui utilisent tous les appareils mobiles, peu importe. Donc, vous voyez que c'est bien présenté, c'est bien professionnel, c'est bien mentionné, donc. Une fois que c'est fait, vous cochez, 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 cochez. Une fois que c'est fait, vous validez. Et vous venez ici enregistrer l'audience. Donc, vous avez enregistré votre audience. Une fois que l'audience est enregistrée, voilà. Après, vous pouvez cliquer ici, créer, hein, pour pouvoir avoir le nom de votre audience. Là, prochainement, quand vous faites de la publicité, vous sélectionnez l'audience que vous avez cliqué ici. C'est-à-dire, vous cliquez ici pour créer en quelque sorte pour votre persona. Voilà, sur Facebook. Et vous avancez. Donc là maintenant, c'est au niveau du budget et puis de la période de la publicité. Donc vous sélectionnez la date de fin de votre publicité. Et ici, vous sélectionnez le nombre de jours de votre publicité. Voilà, alors, ma publicité doit durer peut-être 20 jours. Vous le mentionnez ici. Et voilà le budget quotidien, c'est-à-dire combien vous deviez dépenser par jour, vous le mentionnez ici. Ici c'est 30 dollars, si c'est 2 dollars, si c'est 3 dollars, vous le mentionnez ici. Ici par exemple c'est 2,35. Donc il me dit que par exemple pour 2,35, voici les résultats estimés. Donc par exemple pour 2,35, j'aurais par exemple touché entre 6 000 et 19 000 personnes pour ma campagne. Et le nombre de prospects, il y aura au minimum 5 personnes qui vont me contacter à travers ma publicité. Donc, au niveau des récaps du paiement, pour 7 jours, ça fait 16,45 dollars pour 2,35 dollars par jour. Et maintenant, vous savez, sur Facebook, il y a la TVA qui s'augmente. Donc, la TVA de 3%, de 18%, voilà, sur Facebook maintenant. Donc, 3,06 euros. Voilà comme TVA de 18% et le total fait 20,06%. Une fois que c'est fait, au niveau de l'emplacement, vous sélectionnez soit Advantage, c'est-à-dire Facebook va choisir les canaux où elle va distribuer votre publicité, notamment Facebook, Instagram, Messenger. Ici, il y a un canal qui manque qui est Audience Network. L'Audience Network, nous allons le voir dans la partie gestionnaire de publicité. Comme je dis là, c'est la publicité rapide. C'est ce qu'on voit qui est là. Maintenant, si vous souhaitez décocher Instagram, c'est-à-dire vous ne souhaitez pas que votre publicité s'affiche sur Instagram, vous décochez. Vous ne souhaitez pas que votre publicité s'affiche sur Messenger, vous décochez. Vous voulez uniquement Facebook et vous validez. Dans le cas où vous voulez sélectionner tout, vous sélectionnez tout, vous enregistrez ou bien vous laissez Facebook choisir comme bon lui semble votre emplacement concernant votre publicité et puis voilà. Après cela,
Si vous n'avez pas, ajouté de moyens de paiement, vous l'ajoutez. Et après avoir ajouté de moyens de paiement, vous cliquez sur « Publier ici ». Là, il faut un formulaire. C'est pour ça que c'est pas mentionné « Publier ». Si je sélectionne, par exemple, si on gère la page, utiliser un seul élément, par exemple ça, si on gère la page, vous voyez que publier est venu. Donc, quand vous finissez tout ça, vous cliquez sur publier et une fois que vous cliquez sur publier, votre publicité maintenant passe en mode validation auprès de Facebook. Et une fois que Facebook est d'accord pour cette publicité, votre publicité tout simplement sera active et vous allez recevoir maintenant dans informations, donc retour, voilà, sur les potentiels clients qui vont vous contacter et puis voilà, vous allez mesurer ensuite les résultats. Donc là, on quitte. Ça, c'est la publicité rapide, hein. C'est fait, c'est déjà connu. Vous pouvez regarder encore la vidéo pour voir comment ça fonctionne de A à Z. Donc, on revient pour maintenant la deuxième partie pour la publicité Facebook. C'est-à-dire le gestionnaire de publicité. Un instant. Allô? Non, j'ai déjà bougé. Non, c'est ça, c'est une autre commande. Mon cher, c'est la vie. Oui, oui. Oh. Mais est-ce que tu as pu. Enfin, tu as pu partir? Bon, ce sera demain. Je vais pas te recharger. Maintenant, il faut. C'est sur ton numéro, ça. Oui, je le fais tout à l'heure. Merci. Parfait. Alors. Alors, on passe maintenant, comme j'ai dit, à la deuxième phase qui est le gestionnaire de publicité. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, lorsque vous venez sur Facebook comme ça, vous allez voir vos différents outils ici. Hein? Sous vos différents outils ici, vous allez voir le gestionnaire de publicité. Hein? Il y a plusieurs choses, pages, fils, groupes, tout ça et autres. Pour certains, le gestionnaire de publicité en bas, enfin Facebook liste les différents outils en fonction de votre utilisation. Donc là, le gestionnaire de publicité, moi ici, c'est la troisième partie. Donc je clique là, gestionnaire de publicité. Vous cliquez sur gestionnaire de publicité.
Lorsque nous sommes sur le gestionnaire de publicité, bon là c'est parce que j'ai plusieurs campagnes en cours, c'est pour ça que vous voyez cela. Lorsque vous êtes sur le gestionnaire de publicité, vous êtes comme ça. Pour certains, peut-être qu'on va vous demander de pouvoir renseigner vos, votre business manager d'abord avant de pouvoir voilà, céder à cela. Mais pour certains aussi, ça sera direct. Voilà. Donc le gestionnaire de publicité, c'est vraiment un outil puissant de publicité digitale qu'il faut maîtriser. Voilà. Donc ici, on a les différents outils de, du gestionnaire de publicité, notamment les campagnes, les rapports publicitaires. C'est ici qu'on fait nos, enfin, qu'on télécharge les rapports publicitaires, les audiences de votre site, enfin de vos canaux, tout ça et autres. Les paramètres du compte publicitaire, c'est ici qu'on le fait. Les facturations également, il y a un onglet pour cela. Ça, c'est l'onglet vue d'ensemble. Voilà, où on voit pratiquement tous les outils nécessaires et l'évolution de vos différentes campagnes publicitaires et tout. Ça, c'est dans cette partie qu'on voit cela. Et quand vous cliquez dans la partie tous les outils, vous allez voir tous les outils du gestionnaire de publicité, notamment le paramètre d'entreprise où vous pouvez renseigner certaines informations, notamment concernant certaines pages que vous gérez, ajouter même des personnes qui vont gérer des pages directement là-bas, ajouter des collaborateurs, des agences pour gérer votre page, c'est là-bas directement que ça se fait. Sur la partie aussi paramètres d'entreprise, vous savez, le gestionnaire de publicité, c'est vraiment un coût à part entière qu'il faut faire même pour ça. Dans la partie paramètres d'entreprise, on peut cliquer aussi pour voir pour que vous puissiez explorer chaque partie et puis on va revenir sur la partie publicité. Donc, je vais cliquer sur un compte, un business manager voilà, que j'utilise généralement. Je vais prendre ça. Donc voilà, comme j'ai dit dans paramètres d'entreprise, on peut ajouter des personnes sur une page spécifique, ajouter des partenaires sur une page. On peut également gérer les groupes d'événements. Voilà, les groupes d'événements concernant les différentes publicités que nous voulons faire. Par exemple, les publicités de retargeting pour recibler ceux qui ont visité notre site web et tout, avec Pixel, Facebook et consorts. C'est ici qu'on peut le faire. Au niveau des applications, si nous, jamais nous avons des applications que nous souhaitons promouvoir sur Facebook et consorts, c'est ici que nous ajoutons ces différentes applications. Les comptes Instagram de nos différentes pages, nous pouvons les ajouter directement ici. Les comptes marchands pour ceux qui ont une boutique Facebook, c'est ici que nous les renseignons. Les comptes WhatsApp également, nous pouvons les renseigner ici directement ou bien sur la page. Voilà. Sans feu. Et ici, nous pouvons gérer tout ce qui est comme un catalogue, par exemple, d'expérience en termes de publicité digitale où la personne doit visualiser des catalogues. Généralement, Alibaba, Amazon, tout ça, ils font ce genre de publicité où c'est catalogué. Voilà. Et quand vous voyez la publicité, vous voyez plusieurs articles comme ça qui sont listés. Et autres. Donc, c'est à travers cet outil catalogue qu'on fait cela. Pixel Facebook qui permet bien évidemment de suivre l'événement que vous avez mis en place concernant la publicité digitale, notamment ceux qui voient votre publicité ou bien ceux qui ont cliqué sur votre site web et qui n'ont pas terminé peut-être leur tunnel de conversion sur votre site web, ils seront automatiquement retagués voilà, sur Facebook afin de continuer le processus d'achat d'un produit ou d'un service que vous avez mis en place. Donc, c'est ici que ça se passe. Donc, ça, ce sont les ensembles d'événements en ligne, les ensembles de données également que vous pouvez mentionner. Et consorts. Voilà les appareils connectés, les leads access que vous pouvez mettre ici. Facturation et paiement concernant l'entreprise. Et voilà, le reste, ce sont des notifications. Si jamais vous avez des demandes et tout,
peut-être à un problème ou encore à un signalement que vous faites face et tout, vous pouvez suivre les différentes demandes, voilà, concernant votre entreprise. Ici, si jamais ils ont bloqué votre page ou bien ils ont bloqué votre compte publicitaire, c'est ici que vous suivez ces différentes demandes que vous avez opérées. Donc, on revient. On revient sur notre compte publicitaire. Donc, la partie paramètres d'entreprise, vous avez vu comment ça fonctionne. On peut tout faire. On peut tout faire là-bas. Si vous avez des comptes bloqués, tout ça et autres, c'est là-bas qu'on arrive. Ce genre de truc. Avant, Facebook bloquait beaucoup des comptes publicitaires et tout, mais maintenant, c'est quelque chose qui est devenu quand même un peu rare. Voilà. Même, il n'hésite pas à bloquer. Il n'y a pas de connexion, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir. Donc, il y a la connexion parfaite. Au niveau de la connexion, ouais, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, on va y arriver.
Ok. Donc, on est... Donc, au niveau de tous les outils, envoi, gestionnaire et publicité, paramètres d'entretien, c'est pour facturation, c'est pour payer ce qu'on doit sur Facebook, audience, ça ramène directement, indirectement, publicité, gestionnaire des publicités, audience. Comme je viens de dire, ce sont des événements que nous créons. Inciter le robot, l'algorithme à pouvoir des actions spécifiques que nous avons définies dans les événements sur les potentiels clients voilà, qui sont sur notre site web ou encore qui suivent nos différentes pages. Par exemple, comme j'ai dit, ce sont les audiences concernant nos différents. Par exemple, vous allez aller voir, il y a plusieurs types d'audiences, Saint-Edeco, Kazashi, Luiki, Aléo et consorts. Donc, si vous voulez créer des audiences spécifiques à des domaines d'activité, par exemple, si vous avez plusieurs clients et tout, vous pouvez créer ces différentes audiences-là ici. Voilà, assistance business, accueil assistance business, brand safety, unsubtenably, emplacement de votre magasin, ce sont les emplacements que vous pouvez mettre en place pour vos différentes pages et consorts. Voilà, creative hub, pour créer, par exemple, même pour créer aussi les catalogues et les expériences voilà, de publicité que les gens ils peuvent voir, ils peuvent explorer, voilà, tout simplement, sur vos différents canaux. Planificateur de campagne, pour planifier des campagnes publicitaires, publicité max par page, des règles automatiques publicité, là c'est au niveau par exemple des analyses, notamment le trafic, l'analyse du trafic, les expériences, l'audience insight, comment analyser le gestionnaire de collaboration, les rapports publicitaires, les statistiques que vous pouvez voir notamment ici. C'est les banques de sang que vous pouvez ajouter sur des campagnes publicitaires spécifiques, les publications de pages et tout. Voilà un peu. Donc on revient sur notre publicité, voilà, sur notre gestionnaire de publicité comme ça. Pour aller plus vite, pour mieux comprendre les choses, le gestionnaire de publicité Facebook est bien évidemment régi par trois grands compartiments. Le compartiment qui regroupe les campagnes, le compartiment qui regroupe les ensembles de publicités et le compartiment qui regroupe les publicités. Donc, une campagne peut avoir
jusqu'à 10 ensembles de publicités. Et un ensemble de publicités peut avoir jusqu'à 10 publicités. Ou aussi une campagne peut avoir juste un ensemble de publicités, une seule publicité. Vous voyez, c'est ça la campagne. C'est ça les ensembles de publicités, ça c'est la publicité. Donc, on va aller dans l'expérience. Pour créer une campagne publicitaire, vous cliquez sur créer, tout simplement ici. Et quand vous cliquez sur créer, vous allez voir dans un premier temps, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de choisir vos objectifs de campagne. Et il y a plusieurs objectifs de campagne sur Facebook. On est sur l'expérience de Facebook. Il y a plusieurs types de campagnes sur Facebook. Il y a la notoriété. On vous dit, pour la notoriété, si vous vous positionnez sur une notoriété, alors vous deviez montrer vos publicités comme la publicité rapide. Hein. C'est à peu près le même concept. Si vous choisissez notoriété, vous montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Et comme, on va dire, sous-objectif, il y a la couverture, il y a la notoriété de la marque que vous pouvez avoir, il y a le nombre de vues de vidéos que vous pouvez faire à travers cette campagne publicitaire. Il y a la notoriété de l'emplacement de votre boutique, c'est-à-dire où votre boutique est située, que vous pouvez aussi également faire à travers cette campagne, à travers ce type d'objectif. On passe au deuxième. Le deuxième type d'objectif qui est trafic. Trafic, il s'agit de rediriger vers une destination, par exemple votre site web, une application ou un événement Facebook. Et à travers ce type d'objectif, vous pouvez avoir des retours à travers les clics sur le lien, hein, des vues de page de destination. Vous pouvez utiliser des canaux digitaux, des call to action tels que Messenger, Instagram, WhatsApp pour générer des potentiels trafic aussi. Et vous pouvez aussi générer du trafic à travers le call to action appel. Vous voyez? Et tout est bien mentionné. Quand vous cliquez ici, vous allez voir. On vous dit, par exemple, le lien, inciter les personnes à consulter vos contenus sur votre page de destination. Ici, WhatsApp, diriger les personnes vers Messenger, WhatsApp ou Instagram pour démarrer une conversation avec vous. Appel. Inciter les personnes susceptibles d'aimer votre entreprise à vous appeler. Donc, vous voyez que tout est bien défini. Le clic de lien, inciter les personnes à cliquer sur un lien. Sur votre site web, application ou événement Facebook. Donc ça, c'est pour la partie trafic. Interaction. Interaction, Facebook recommande interaction pour ceux qui viennent de commencer la publicité. Ceux qui ne connaissent rien de la publicité, Facebook leur recommande de choisir interaction. Parce que interaction a un bon retour général sur investissement. C'est pour ça qu'ils disent ça. Donc, si vous sélectionnez l'objectif interaction, alors vous pouvez obtenir plus de messages, hein, d'achat via la messagerie, de vues, de vidéos, d'interactions avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page ou de réponses à vos événements. Donc, pour WhatsApp, c'est d'inciter les gens à démarrer une conversation via ces canaux digitaux, Messenger, WhatsApp, Instagram et appel. Pour la conversion, inciter les personnes à consulter vos contenus, contacter votre entreprise, ajouter un article dans une liste d'envie ou réaliser une autre action sur votre site web application. Interaction avec la publication. Donc, inciter les personnes à interagir avec votre publication. Vue des vidéos, toucher les personnes les plus susceptibles de regarder votre vidéo. Ça, c'est la partie interaction. Vous voyez que la plupart des objectifs reviennent ici. La notoriété, il y a vue de vidéo. Pour interaction, il y a vue de vidéo. Pour trafic, par exemple, il n'y a pas vue de vidéo. Parce que le trafic, il te redirige sur une page de destination. Si vous choisissez l'objectif prospect. Prospect, il s'agit d'attirer les prospects de votre entreprise ou votre marque. Donc là, vu que vous voulez des potentiels clients, c'est ce que signifie prospect, potentiel client. Donc les potentiels clients, vous les obtenez quoi? À travers quoi? Vous les obtenez à travers des formulaires généralement ou encore à travers des conversations que vous allez faire avec eux. Donc, ces conversations peuvent être sur WhatsApp, sur Messenger ou sur Instagram ou encore à travers des appels. Lorsque quelqu'un vous appelle pour vous parler, pour vous demander des renseignements sur un service ou sur un produit, c'est un potentiel client. Donc, à travers tous ces différents canaux digitaux, tous ces différents call to action, vous pouvez directement les toucher. Et aussi à travers un formulaire instantané que vous allez créer. Tout à l'heure, on a vu dans la publicité rapide comment créer un formulaire. Également sur
le gestionnaire de publicité, vous pouvez créer un formulaire où vous allez demander par exemple le nom, le prénom, l'email et tout de celui qui est intéressé, bien évidemment, par votre produit ou votre service. Donc ça, c'est l'objectif prospect. Objectif promotion d'application, c'est tout simplement faire la promotion d'une application que vous avez, voilà, sur Android ou encore sur les magasins, hein, sur les magasins d'applications mobiles, notamment Play Store ou encore Apple Store. Si vous avez créé une application de votre entreprise ou bien une application d'un client que vous avez et que vous souhaitez faire la promotion de cette application, vous cliquez sur l'objectif promotion de l'application. Et le dernier objectif que Facebook propose, c'est l'objectif vente. Donc, trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit ou de votre service. Donc, il s'agit ici de diriger ces personnes à travers les catalogues de vente qu'on peut créer sur le gestionnaire de publicité ou encore directement lorsque nous voulons faire la publicité. Inciter les gens à nous contacter via Messenger, WhatsApp ou encore interaction. Ou encore inciter les gens à nous appeler à travers, bien évidemment, le contenu de notre produit ou de notre service. Donc, voici ainsi les 6 grands groupes d'objectifs disponibles sur Facebook pour la publicité digitale. On a la notoriété, le trafic, l'interaction, prospect, promotion d'application et vente. Donc, on choisit notre objectif. Une fois que c'est fait, on clique sur continuer. Et une fois que nous cliquons sur continuer, il y a 2 options. Soit nous optons pour la campagne de messages sur mesure avec Facebook, c'est-à-dire là, Facebook va pouvoir nous-mêmes choisir les outils ou encore choisir les paramètres nécessaires pour nous permettre de pouvoir mieux avancer. Et cette partie est recommandée parce que selon eux, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir peaufiner votre campagne publicitaire à travers les caractéristiques nécessaires. Mais je vous conseille en tout cas, selon le brief de campagne publicitaire que vous avez créé, de cliquer sur campagne interaction manuelle. C'est-à-dire vous-même, vous allez définir vos critères de publicité. Sinon, si vous ne voulez pas vous fatiguer avec ces différents paramètres de publicité à renseigner, vous cliquez sur campagne de message sur mesure, tout simplement. Mais comme nous sommes des professionnels de la publicité, on va cliquer sur configuration manuelle. Et on clique sur continuer. On clique sur continuer et on arrive sur notre tableau de campagne publicitaire par campagne publicitaire par campagne publicitaire par campagne publicitaire par peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Un ensemble de publicités peut avoir plusieurs publicités. Donc là, la campagne publicitaire, on clique déjà on renseigne le nom de notre campagne publicitaire. Donc, campagne interaction, par exemple, salon du numérique. Salon du numérique. Après, il y a la catégorie de vos publicités spéciales. Ça, on le mentionne, ou bien si vous voulez, on le sélectionne lorsque nous voulons faire des campagnes publicitaires pour des annonces immobilières, pour des enjeux sociaux, électoraux ou encore politiques, pour l'emploi ou encore publicité pour des offres de cartes de crédit, de prêts immobiliers, prêts automobiles ou encore un financement à long terme et consort. Donc, on sélectionne l'un de ces critères ici lorsque notre campagne publicitaire, bien évidemment, correspond à ces différents éléments qu'ils ont mis ici, emploi, crédit, logement, enjeux sociaux, électoraux ou politiques. Après, il y a le détail au niveau de la campagne. C'est un type de campagne en chair ou bien c'est un type de campagne de réservation. On sélectionne ce qu'il faut. Et ici, ça, c'est l'objectif de campagne qu'on peut modifier. Nous avons sélectionné l'objectif de campagne interaction, mais si nous voulons modifier notre campagne, enfin, l'objectif de notre campagne, nous pouvons cliquer ici et finalement, nous allons modifier. Par exemple, tu as cliqué sur interaction par inadvertance, tu veux modifier interaction pour que tu cliques sur l'autorité ici et puis tu avances. Mais là, nous ne sommes pas trompés, on continue. Et le test AB, donc pour améliorer les performances des publicités, tester les versions avec des images, des tests, des audiences ou des placements différents. Donc, pour plus de précision, chaque élément sera affiché après des groupes distincts dans votre audience.
Donc, à travers les tests AB, vous pouvez mesurer l'impact de votre publicité. Si vous voulez, vous cliquez sur cocher en créant un test AB ou pas, tout simplement. Bon, ici, on va cliquer, on va aller directement sur comment définir les paramètres de publicité pour pouvoir faire une bonne publicité. Donc, budget de campagne Advantage, si vous cochez ici, c'est, on va dire, l'intelligence artificielle de Facebook concernant les budgets publicitaires. Donc, Facebook va pouvoir dispatcher convenablement comme bon lui semble au niveau de votre budget publicitaire quotidiennement, selon bien évidemment la période de publicité, de campagne publicitaire. Donc, en fonction de cela, Facebook pourra dispatcher votre budget publicitaire sur les différents ensembles de publicité, et dans les ensembles de publicité, il pourra dispatcher votre budget publicitaire sur les différentes publicités que vous avez mentionnées. Donc voilà, comme j'ai répété, une campagne publicitaire peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Un ensemble de publicités peut avoir plusieurs publicités. Donc là, nous sommes toujours dans la partie campagne publicitaire. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant. On atterrit maintenant dans le premier ensemble de publicités. Le premier ensemble de publicités, on va cliquer par exemple pour le salon numérique, on va dire prospection. 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 On va nommer ça prospection salon. Et en prospection salon, on nous donne nos canaux de conversion. À travers quoi nous souhaitons diriger bien évidemment les publicités de cet ensemble de publicités. Est-ce que c'est les applications de messagerie à travers lesquelles nous voulons avoir des prospects? Est-ce que c'est sur la publicité que nous souhaitons avoir les différents prospects, c'est-à-dire inciter les personnes à regarder une vidéo? Est-ce que c'est à travers les appels? Est-ce que c'est à travers notre site web? Est-ce que c'est à travers notre application? Est-ce que c'est à travers notre page Facebook ou encore notre groupe Facebook? Donc, on sélectionne la conversion, voilà, convenant à notre objectif, à notre brief de campagne publicitaire. Et une fois que c'est fait, donc là, par exemple, on va mettre application de messagerie, ça nous convient. Donc, une fois que c'est fait, on peut cliquer ici, on clique pour envoyer un message ou bien un message sponsorisé, tout dépend de vous. Et ici, notez tout ce que vous avez comme question. Après, bien évidemment, on va optimiser cela. Et ici, c'est de sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez faire la publicité. Donc, si vous avez plusieurs clients, plusieurs pages, vous sélectionnez les pages qui correspondent à votre publicité. Là, par exemple, vous voyez, j'ai tellement de pages. Ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pages quand même que nous arrivons à gérer en agence. Il y a beaucoup quand même, pas mal de Mac. Quand même. Bon. Donc, une fois que c'est fait, vous sélectionnez les différents canaux, voilà, de conversion, notamment les call to action qui seront affichés sur la publicité. Ici, vous voyez par exemple le Salon international de la décoration d'Abidjan. Ici, on ne peut pas cocher Instagram parce que l'Instagram n'est pas lié à la page Facebook, et on ne peut pas cocher WhatsApp parce qu'il n'y a pas un WhatsApp business qui est connecté à la page Facebook. Donc, du coup, on ne peut pas les cocher. Mais si vous souhaitez que ces différents canaux-là soient cochés, il faudrait les ajouter bien évidemment sur la page. On va prendre une autre page par exemple. Ici, je vais prendre on a associé, je pense bien. On prend par exemple une page à donner chocolat. On a pris une autre page. C'est mentionné ici. Il est où? Début, budget. Non. Avant de venir dans le petit budget, parler des applications de messagerie. Applications de messagerie. Voilà, lui par exemple,
Son Instagram n'est pas couché, mais son WhatsApp business est couché. Je vais choisir. Ah, ok, Amad Afrique, oui. Amad Afrique. Amad Afrique, c'est pour moi. C'est ma plateforme de vente en ligne. Amad Afrique, voilà. Amad Afrique, on peut cocher sur Messenger, Instagram et le WhatsApp qui est bien coché, bien. Voilà. Donc, tous ceux qui vont voir les différentes publicités que je vais mettre dans la partie publicité ici pourront m'envoyer des messages sur Messenger s'ils veulent, ou bien sur Instagram s'ils veulent, ou bien sur WhatsApp business s'ils veulent, tout simplement. Parce que c'est ce que j'ai défini à Facebook ici. Et après, on définit le budget de la campagne. Le budget de la campagne ici, après, on va revenir au niveau de du contrôle d'enchère, mais bon, le contrôle d'enchère, je pense que c'est déjà fait. La base de facturation, c'est sur les impressions. Donc, la base de facturation, c'est sur les impressions, hein, pour le côté Messenger, pour le côté application de messagerie. La base de facturation, c'est sur les impressions. Plus les gens voient, plus vous êtes facturé. Donc, c'est un peu ça. Les standards de diffusion, mon type de diffusion sont standards, tout simplement. Voilà, pour le budget et le calendrier. Donc, pour le budget, vous allez définir maintenant le budget publicitaire alloué à votre campagne publicitaire. Donc, ici, il y a deux options. Il y a le budget quotidien, c'est-à-dire combien vous souhaitez dépenser par jour. Ou bien, vous pouvez sélectionner également le budget global, c'est-à-dire combien vous souhaitez dépenser durant la période des campagnes publicitaires. Enfin, durant la période d'ensemble de publicité. Donc, là, par exemple, si vous avez choisi $50 global, pendant, c'est-à-dire du 25 avril, par exemple, au 26 avril, pendant un mois, Facebook va dispatcher ce budget-là selon les enchères qui se font au jour le jour. Maintenant, lorsque vous cliquez sur « Budget quotidien », Facebook va sélectionner tout simplement, enfin, Facebook va dépenser votre budget jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le sommet. Voilà, par exemple, de $2 par jour. Voilà, de $2 par jour. Et Facebook ne pourra pas dépasser $2 par jour durant toute la période des campagnes. Donc, sur un mois, $2 par jour vous reviennent bien évidemment à $60. Donc, vous dépensez en moyenne $2 par jour. Votre dépense maximale quotidienne est de $2,85 et votre dépense maximale hebdomadaire est de $14. Vous voyez que c'est bien clair et bien net. Donc, ici, vous mentionnez le début, de la date de début de la campagne publicitaire et l'heure à laquelle cette campagne publicitaire doit bien évidemment commencer. Et après, vous mettez ici la date de fin de la campagne publicitaire et ici, vous mentionnez la date l'heure de fin de la campagne publicitaire. Une fois que c'est fait, vous continuez. Ici, on vous dit planificateur de budget. Vous pouvez maintenant planifier à l'avance des augmentations de budget en fonction des jours et ou des moments pour lesquels vous prévoyez une augmentation potentielle de vente, des fortes périodes de trafic ou d'autres périodes promotionnelles. Là, c'est lorsque, par exemple, vous avez des périodes piques. Selon votre domaine d'activité, lorsque vous avez des périodes piques, vous pouvez sélectionner cet outil-là qui vous permet de planifier des budgets en termes d'augmentation ou bien de réduction de budget publicitaire. Lorsque vous faites des publicités en continu, par exemple. Donc là, vous allez sélectionner, augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Vous allez mentionner ces périodes-là ici et les valider. Après cela, on place maintenant à l'audience. Donc l'audience ici, c'est ici que vous allez mentionner maintenant les critères de votre audience. Si vous sélectionnez audience advantage, vous seriez obligé de juste mettre l'âge minimum que vous ciblez en termes de persona et la zone géographique. Si vous sélectionnez audience advantage, c'est-à-dire là, Facebook vous dit clairement que notre technologie publicitaire trouve automatiquement votre audience. Si vous pouvez partager une suggestion d'audience, nous donnerons la priorité aux audiences qui correspondent à ce profil avant de lancer une recherche plus large. Vous voyez que c'est l'intelligence artificielle qui travaille pour vous en termes de qualification de votre audience. Mais si vous voulez respecter bien évidemment le persona que vous avez mentionné dans votre brief de campagne publicitaire, vous cliquez ici, revenez aux audiences, aux options d'audience initiales. Donc là, vous n'êtes plus sur audience advantage. Et vous allez cliquer maintenant « Utiliser l'audience d'origine. » Voilà. Donc, on revient à l'audience d'origine. Et pour l'audience d'origine, vous allez bien évidemment
ici mentionner non seulement le lieu, si vous voulez cliquer à Abidjan, tout ça, vous allez mettre aussi le. Ça, ce sont les lieux inclus. Par exemple, là, moi, je ne vais pas Côte d'Ivoire, je vais cibler juste Abidjan, je mets Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Et par exemple, à Abidjan, moi, je vais exclure des communes. Ah, mon produit ou bien mon service ne doit pas être promu dans des communes spécifiques. Je veux exclure, par exemple, Aboko. Je clique ici, ajouter des exclusions. J'ai cliqué sur ajouter des exclusions. OK. Exclusion, j'écris Aboko. Donc, ma publicité ne va pas apparaître dans les... ma publicité ne va pas apparaître pour ceux qui sont à Abobo. C'est un exemple. Voilà. On peut exclure aussi des gens qui sont à Cocody en fonction de notre produit, en fonction de notre cible. C'est juste un exemple. Voilà. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je définis maintenant la tranche d'âge de ma cible. Ah, mon produit correspond aux gens de 20 ans, comme on l'a fait en publicité rapide, à peut-être 50 ans ou 60 ans. On met ça là. Après cela, il faut définir le genre de ma cible. Est-ce que ce sont les femmes que je cible? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est tout le monde? Je cible seulement les femmes. Et après maintenant, la partie critère, on va parcourir les données démographiques, comme on l'a vu pour la publicité rapide, les données démographiques, notamment en fonction, formation, si ce sont des personnes qui doivent avoir le bac minimum, tout ça, on renseigne tout. Si ce sont des parents qu'on cible, on renseigne les critères, les centres d'intérêt. Ce sont des personnes qui sont dans un domaine d'activité spécifique. Tout cela, on les renseigne ici. Et après, il y a la partie comportement, notamment le comportement de notre cible. Est-ce que ce sont des personnes qui ont des anniversaires bientôt? Est-ce que ce sont des amis de ceux qui ont des anniversaires qu'on veut cibler? Est-ce que ce sont des personnes, par exemple, qui achètent beaucoup en ligne? Tout ça, on va mettre dans acheteur actif. Est-ce que ce sont des personnes qui sont expatriées, des personnes qui ont vécu en France, qu'on cible, mais des personnes qui ont vécu ici, ou qu'on cible? On mentionne tout ça ici. La partie comportement. Et une fois que c'est fait, on enregistre notre audience et on avance. Emplacement. Donc, emplacement également, il y a deux types. Il y a emplacement avec emplacement advantage ou bien il y a des emplacements aussi de manière manuelle. Donc, si on veut faire de manière manuelle, vous voyez, un emplacement augmenté. Ça, c'est Facebook qui choisit où il va faire la promotion de votre contenu. Si c'est sur Facebook, si c'est sur Instagram, si c'est sur Messenger, si c'est sur Audience Network. Je vous avais dit que dans la publicité rapide, il n'y a pas Audience Network. Mais ici, il y a Audience Network. Audience Network, c'est par exemple les applications et les sites web partenaires à Facebook où Facebook peut faire votre publicité. Donc souvent, vous êtes sur les applications mobiles où vous voyez, par exemple, quand vous êtes en train de jouer un jeu comme Candy Crush, qui est un jeu qui est beaucoup utilisé ici en Côte d'Ivoire, quand vous jouez Candy Crush, on vous dit pour pouvoir continuer, il faut regarder une publicité. Et la publicité généralement vient de Facebook. La publicité généralement de Candy Crush vient de Facebook. Il y a d'autres publicités qui viennent aussi de Google, mais la plupart viennent de Facebook parce que Candy Crush est un partenaire à Facebook. Donc Facebook utilise Candy Crush pour faire la publicité digitale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous pouvez poser des questions. Donc là, comme j'ai dit, si vous choisissez Advantage, qui est l'intelligence artificielle de Facebook pour les emplacements, Facebook va choisir où il va publier, où il va montrer votre publicité. Mais si vous avez des spécificités concernant votre cible, vous cliquez tout simplement sur placement manuel. Donc, une fois que vous cliquez sur placement manuel, vous allez voir, il y a les différentes plateformes maintenant où vous pouvez faire la publicité, notamment Facebook, Audience Network, Instagram, Messenger. Et sur Facebook, par exemple, il y a plusieurs emplacements de publicité. Il y a les fils d'actualité qui s'affichent comme c'est mentionné ici. Il y a les fils Facebook, Instagram, pardon. Il y a les fils de profil Instagram. Voilà comment ça s'affiche. Il y a Facebook Marketplace. Voilà comment votre publicité va s'afficher. Il y a fil vidéo. Voilà comment votre publicité va s'afficher dans la fil vidéo. Il y a les colonnes, Facebook colonne droite, si vous voulez vous cocher ou pas. Mais je pense que Facebook colonne droite est spécifique à des domaines, à des objectifs spécifiques. Il y a des objectifs où vous ne pouvez pas cocher
Facebook, la colonne. Et Facebook colonne est fonctionnel pour ceux qui utilisent leurs ordinateurs portables. Voilà. Pour ceux qui ont juste un smartphone, n'est pas fait de colonne là-dessus. Sur les smartphones. Explorer Instagram, voilà comment ça va s'afficher. Si jamais votre publicité doit s'afficher dans Explorer Instagram. Accueil Explorer, voilà comment ça va s'afficher. Bas de réception Messenger, voilà comment votre publicité va s'afficher dans Messenger. Souvent, dans votre Messenger, vous avez des publicités comme ça aussi. Dans Découverte Facebook, voilà comment votre publicité va s'afficher. Après, on arrive dans la partie Story. Si vous ne voulez pas que votre publicité s'affiche en Story, vous décochez. Aussi simple. Je ne souhaite pas que ma publicité s'affiche en Story, je décoche. Si je souhaite, je laisse. Publicité en streaming. Voilà comment votre publicité apparaît en streaming. Les vidéos en streaming sur Facebook, votre publicité apparaît dans Facebook réel, votre publicité apparaît dans Instagram réel et consorts. Les réels sur Facebook, les réels au niveau d'Instagram. Recherche de résultats. Voilà comment votre publicité apparaît dans les recherches de résultats. Lorsque une personne fait des recherches dans votre domaine d'activité, votre publicité apparaîtra et la personne pourra cliquer directement sur votre publicité. Si bien évidemment, ce que vous avez mis comme contenu l'intéresse. Dans messages aussi, voilà comment votre publicité peut s'afficher. Applications et sites web. Ça, comme j'ai dit, c'est l'audience network. Facebook choisit les applications et sites web où il peut faire la promotion de votre produit. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez mis tous les paramètres qu'il faut. Vous allez cliquer maintenant sur suivant. Ça, c'est le premier ensemble de publicité. Suivant pour atterrir directement dans publicité. Alors, suivant pour atterrir dans publicité. Alors, voilà la première publicité que vous allez faire. Donc, notre ensemble de publicités, c'est prospection. La première publicité, c'est le contenu, tout simplement. Vous pouvez résumer le volet publicité comme les contenus qui seront promus, voilà, à travers l'ensemble de publicité. Donc, si dans l'ensemble de publicité, vous avez mis un budget de 50 $, je pense 60 $, le budget sera dispatché pour l'ensemble des publicités que vous allez publier. Donc, si vous voulez publier seulement une seule publicité, il n'y a pas de problème. Dans le cas où vous voulez, pour un ensemble de publicités, publier peut-être 4 ou 5 publicités en même temps, le même budget de 60 $ sera dispatché, voilà, sur les différentes publicités. Mais bon, c'est pas efficace quand c'est comme ça. C'est mieux de se concentrer sur 2 ou 3 contenus maximum, voilà, afin de maximiser sur son budget publicitaire. Donc, vous définissez le nom de la publicité pour ne pas se tromper. Par exemple, pour le côté prospect salon, ici, on va faire, pour le salon du numérique, on va mettre décideur. Donc là, on cite par exemple les décideurs. Donc, il y a un contenu qui est dédié aux décideurs pour le salon. Donc, par exemple, les DG qui vont participer au salon. Donc, une fois que c'est fait, ici, si vous voulez faire la co-publicité, c'est par exemple diffuser aussi votre publicité sur des personnes qui sont en co-création avec vous. Par exemple, on fait la publicité sur la page du salon, mais en même temps, on veut faire la publicité sur une autre page qui est liée au salon. On peut faire des co-publicités sans problème. Donc, créer la publicité. Donc, créer la publicité ou soit vous utilisez, une publication existante. Donc, soit, comme on l'a vu, hein, dans la publicité rapide, si il y a une publication qui a été déjà effectuée et qu'on souhaite faire la promotion de cette publication, on clique sur utiliser une publication existante. Et une fois effectuée, on va venir ici dans la partie contenu, on va sélectionner la publication existante sur la page. Comme ça. Donc là, on a vu la publication existante, ça nous convient. On clique là-dessus, on met sur continuer. Et une fois que c'est fait, on va ajouter un call to action. Voilà le test, tout ça, blablabla. Un call to action, envoyer message, c'est déjà bon. OK.
Voilà. Et on vient de la partie modèle de message. C'est-à-dire les messages, le type de message que la personne qui nous contacte peut recevoir dès qu'il nous contacte. Donc, soit on peut créer hein, notre chatbot, mini chatbot dans la publicité lorsque la personne va nous contacter. Ou soit on peut utiliser déjà un chatbot qu'on a mis en place auparavant. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, on clique sur publicité, sera publié. Mais si nous n'avons pas encore fini, par exemple, de faire la publicité et que nous souhaitons créer un deuxième, une deuxième publicité encore sur le même ensemble de publicité salon, on clique sur dupliquer rapidement. Donc, on va créer un deuxième, une deuxième publicité dans toujours, comment on appelle ça, dans toujours notre ensemble de publicité prospection salon. Donc là, par exemple, on va pas mettre décideur, on va mettre visiteur, visiteur du salon. Donc, on va faire une publicité dédiée aux visiteurs du salon. La publicité dédiée aux visiteurs du salon, par exemple, on n'a pas de publication existante, mais on va créer une publicité. Et la publicité qu'on va créer, on va créer une publicité directe. Donc, une publicité faite sous forme de carrousel, par exemple. Les carrousels sont les images que je vous ai présentées dans les formats de publicité. On a vu les carrousels dans les formats de publicité. Donc, le carrousel, c'est plusieurs images qui seront tout simplement en carrousel, en diapo, si vous voulez. Voilà, que notre potentiel client peut voir. Donc, on va choisir, lorsqu'on finit de choisir ici carrousel, publicité multi annoncée, on peut cocher cette partie. Et puis, on vient ici pour créer maintenant les contenus. Pour créer les contenus, on va d'abord, dans un premier temps, ajouter l'image, le carrousel, rajouter les quatre. Ok. Donc, on a sélectionné par exemple ça. Ce sont des exemples. Je sélectionne ça comme carrousel aussi. Ça, un exemple. Ce sont des exemples, juste des exemples que je prends. Ok. J'ai pris 5. Donc, je vais venir enseigner ici les 5 contenus que j'ai mentionnés dans la partie carrousel. Vous voyez ici qu'il y a un aperçu de comment ça s'affiche. Comment ça s'affiche en story, comment ça s'affiche en truc. Il y a un aperçu ici. Donc, lorsque j'ai sélectionné par exemple les 5 contenus, je vais venir ici. Comment c'est affiché? Vous voyez? Comment c'est affiché? On me montre ça ici. Et ici, je peux sélectionner. Attends, je mets là. Je finis de renseigner par exemple ce qui doit être dans le titre. Le titre, c'est pas discuter avec nous. Je vais mettre par exemple visiter nous. Visiter nous au salon du numérique. Voilà, par exemple. Et après, plus de détails, je peux mettre des détails liés tout simplement à l'image que j'ai publiée. Ça peut être cliquer. Voilà, je vais mettre un truc comme ça. Ou bien, je donne une description, le salon est fait. Une fois que c'est fait, vous allez voir où ça s'affiche. Hein. Au fur et à mesure, on vous montre où ça s'affiche. Je vais vous montrer. Vous allez voir ici. Voilà. Et la description, c'est là. Donc, vous voyez bien. Et une fois que c'est fait, on vient là. Voilà, le call to action. Le code WASHOM. Vous avez vu ici le code WASHOM qu'ils ont mentionné ici, c'est dans le carousel. C'est le code WASHOM qu'on souhaite. Par exemple, on souhaite qu'ils s'inscrivent. C'est le code WASHOM qu'on veut. Donc on va cliquer ici, envoyer message. Hein? On va cliquer sur s'inscrire, par exemple. Voilà. On clique sur s'inscrire. Donc c'est s'inscrire qui va s'afficher. Et lorsque s'inscrire s'affiche,
qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, bien évidemment, un lien de destination. C'est-à-dire, lorsque la personne va cliquer sur s'inscrit, il va atterrir sur ce lien-là. Enfin, il va cliquer sur ce lien pour atterrir sur une page de destination que nous avons mentionnée à travers un lien ici. Voilà. Et après, maintenant, on peut modifier les autres images. Notamment l'image 2. On modifie ici avec le test. Tout simplement qu'on veut ou l'image 2. Ce n'est pas discuter nous qu'on veut mettre ici. On change le discuter nous. On vient ici donner plus de détails. On change. Après, on vient pour l'image 3, pour l'image 4, pour l'image 5, et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Pour la publicité carousel. Et une fois que c'est fait, on ajoute si jamais quelqu'un veut nous envoyer un message, on vient utiliser l'assistant. Si on a déjà enregistré les messages là, si on n'a pas enregistré, on clique sur créer tout simplement. Là, par exemple, j'ai enregistré un message de Hama d'Afrique, donc je mets et puis je continue. Après ça, je clique sur publier. Si jamais j'ai fini de mentionner les publicités ici. Si je veux créer une troisième publicité encore dans le même ensemble de publicités de prospects de salon, je clique ici, dupliquer. Et puis je crée une troisième. Si je veux créer un deuxième ensemble de publicités avec d'autres budgets, je viens ici. Tout simplement. Il y a la connexion qui fait défaut. Je viens ici tout simplement. Je clique aussi sur dupliquer rapidement. Si je veux créer un deuxième ensemble de publicités avec d'autres budgets publicitaires dans la même campagne. Donc tout dépend de moi. Tout dépend de moi tout simplement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Mais une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier, votre publicité sera analysée par Facebook et jusqu'à maxi 24 heures, maxi. Au plus maxi 24 heures. Mais généralement, même par expérience, voilà, au bout d'une heure, deux heures, souvent à la minute, même on valide ça. Et votre publicité sera diffusée sans problème. Donc là, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire une bonne publicité sur Facebook. Il y a également l'ajout de pixels au cas où vous avez un site web, la création d'événements. Ça, ce sera plus approfondi lorsque peut-être qu'on nous donnera l'occasion de pouvoir bien explorer cela. Donc ça, c'est sur Facebook qu'on a fait. Et bon, ça fait d'office aussi de publicité sur Instagram hein, parce que vous avez vu qu'on peut toucher des personnes sur Instagram et tout. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc là, on va fermer parce que bon, c'est une publicité que je ne vais pas publier. Voilà, tel que j'ai mentionné tout le brouillon ici, je vais tout simplement supprimer ce qui est là. Parfait. Parfait. Donc voilà un peu comment nous faisons une publicité via le gestionnaire de publicité et rapide. Je pense qu'on a fait une heure et quelques de démonstration là-dessus et c'est très bien.